Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, famille TTS, shalom. Shalom, sœur Jessica, shalom, sois bénie. Sœur Jessica, dis-moi juste si tu m'entends. Shalom, maman, shalom. Shalom, sœur Trinité. Tu m'entends, sœur Jessica? Tu m'entends? Faites-moi signe si vous m'entendez. Merci. Ok, ça marche. Merci. Shalom, maman. Shalom, sœur Trinité. Shalom, sœur Jessica, soyez bénie, soyez bénie. Donc, on attend un peu que les autres se connectent. Shalom, sœur Régine, sois bénie. Shalom, sœur Angèle B. Shalom, Marcel. Shalom, Magali. Shalom, maman Béatrice Codilla. Shalom. Shalom, Manouli. Shalom Wendy, shalom. C'est la sœur Rebecca. On dit bonjour au Saint-Esprit. Shalom, shalom, famille TPS. En tout cas, je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Je suis dans la joie vraiment de diriger, d'évancer l'aurore. Donc, voilà, c'est la sœur Rebecca pour celles qui ne me connaissent pas. Shalom, shalom, sœur Marcel, shalom. Merci beaucoup, sœur Fava. Shalom, sœur Micheline. Shalom, sœur Magali. Soyez bénis, soyez bénis, soyez comblés par l'amour du Père. Shalom, sœur Queen. Shalom, sœur Liliane. Shalom, sœur Tecle. Shalom, sœur Olga. Alors, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à partager, vu qu'on a changé d'horaire aussi, donc je suppose qu'il y a des sœurs qui ne se sont pas réveillées, donc n'hésitons pas, partageons, partageons, afin que les autres aient le lien pour pouvoir se connecter.
Donc, je partage de mon côté. Vous aussi, partagez, partagez, n'hésitez pas. Shalom, sœur Amagojo. Shalom. Shalom, sœur Hélène. Shalom, Destin Rose. Shalom, Marie-Joseph. Shalom, shalom, sœur Morénique. On attend encore un peu. Pendant ce temps, partagez, partagez, partagez. Merci, sœur Morénique. Sois bénie également. Sœur Trinité, partage, partage. Ok. Donc, shalom, shalom, famille TPS. Je me présente. Je suis la sœur Rebecca de la tour de prière Semeur. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, voilà. Et je remercie maman Frida, mon Zioni, de m'avoir permis de d'évancer l'aurore aujourd'hui. C'est une grande première pour moi. Alors, je bénis sa vie. Je bénis la vie de maman prophétesse parce qu'elle m'a fait confiance. Elle m'a confié de démarrer la journée avec la famille TPS. Alors, qu'elle soit bénie, bénie et bénie. Merci beaucoup, maman. Merci pour la confiance que tu m'as accordée. J'espère que je vais assurer. Donc, je remercie vraiment le Seigneur pour la vie de maman prophétesse Frida et aussi pour la vie de papa pasteur Bienvenue Manzioni. Donc voilà, je suis la sœur Rebecca. Donc, je vais prier et nous allons commencer notre prière. Voilà. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Tendre Père, une fois de plus, les mots me manquent pour te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, parce que tu as soufflé ton souffle dans nos narines, nous voilà debout pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir t'élever,
pour pouvoir magnifier ton nom. Oh Seigneur, nous sommes conscients de ne pas l'avoir mérité. Mais c'est parce que tu nous as fait grâce, Seigneur, que nous sommes là, nous sommes à même de t'adresser nos prières. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration. Merci Seigneur de prendre le contrôle de ce moment. Merci Seigneur d'être toi-même aux commandes. Merci Seigneur que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment, que le Saint-Esprit puisse diriger ce direct et que le Saint-Esprit puisse nous remplir afin que nous soyons des auditeurs attentifs. Merci Seigneur pour ton amour et merci pour ta fidélité. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je l'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Donc, nous allons commencer notre séance. Alors, j'ai intitulé la prière de ce matin comme « Ne promène pas tes regards, ne promène pas des regards inquiets ». Donc, le thème de notre moment de prière, c'est « Ne promène pas des regards inquiets ». Et pour cela, nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Je lis la parole. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin encore, Dieu, je vais dire Dieu est merveilleux. Il nous parle, il fait de son mieux pour nous réconforter, il fait de son mieux pour nous relever. Surtout par les moments que nous traversons en ce moment. Surtout par les preuves communes que nous traversons actuellement. Bien-aimés, le monde fait face actuellement à une situation sans précédent. La propagation du coronavirus, les autorités font ce qu'ils peuvent. Ils sont démunis. Ils n'ont pas beaucoup, comment je pourrais dire ça, ils ne disposent pas de planche de salut pour l'instant. Mais ils font ce qu'ils peuvent en mettant en place des mesures barrières pour limiter la propagation du virus. Et bien aimés, tous nous sommes angoissés. Tous nous sommes troublés. Et la peur remplit notre cœur. Parce que nous ne savons pas de quoi est fait le lendemain. Nous ne savons pas ce que nous allons devenir avec ce virus qui court les rues. Nous sommes tous angoissés. Et quand on va dans la rue, on a l'impression d'être dans une scène d'épouvante. Tellement les rues sont désertes. On se regarde dans la rue avec méfiance. Parce que nous ne savons pas contre qui nous nous battons. Notre ennemi marche dans l'air, marche dans tout, et nous ne savons pas comment faire. Mais ce matin, bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi.
ne promène pas des regards inquiets. Car je te fortifie, je viens à ton secours, je te tiens de ma droite triomphante. Bien-aimé, n'est-ce pas merveilleux? Il nous donne l'assurance d'une sécurité et nous savons que actuellement, la seule personne qui peut nous secourir, c'est Dieu, bien-aimé. La science est impuissante face au COVID-19. La science est impuissante. Ils ne savent pas quoi faire. Alors, bien-aimé, tourne ton regard vers Dieu. Tourne ton regard vers Dieu, le seul qui te connaît mieux que toi-même. Le seul qui peut apaiser ton cœur. Le seul qui peut t'apporter le réconfort nécessaire. Le seul qui peut redonner de l'espoir dans ton cœur. Alors accroche-toi à la parole de Dieu qui te dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Réalise cela. Réalise que celui qui est avec toi, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est celui qui a créé tout ce qui s'y trouve sur la terre. C'est celui qui a créé l'homme à son image. Alors s'il te dit, ne promène pas les regards inquiets, bien-aimé, ne promène pas les regards inquiets. Parce que lui seul sait ce qui convient pour toi. Parce que n'oublions pas, Dieu a conçu des plans merveilleux pour nous. Les plans de bonheur et non les plans de malheur. Parce qu'il veut notre bien. Il veut notre bonheur. Il veut que nous puissions prospérer à tous égards. Alors, c'est lui qui peut nous protéger du coronavirus. À l'heure actuelle, même les médecins ne peuvent pas te protéger. Les scientifiques ne peuvent pas te protéger. Il n'y a que Dieu. Alors, bien-aimé, ce matin, tourne ton regard vers Dieu. Tourne ton regard vers celui qui ne dort ni ne sommeille. Tourne ton regard vers celui-là quand tu dors, quand tu es inconscient de tout. Il veille sur toi. Il veille sur toi. Il combat pour toi quand tu es pendant que tu gardes le silence. Alors, bien-aimé, aie confiance à Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors, bien-aimé, si Dieu te dit ce matin, n'aie pas peur, ne sois pas inquiet, ne promène pas des regards inquiets, alors fais confiance à ce Dieu-là. Fais confiance à ce Dieu qui t'offre la sécurité à toute épreuve, qui est le premier médecin, qui est celui-là qui donne l'intelligence aux scientifiques, qui est celui-là qui t'épargne du danger, qui te donne l'assurance de dire que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur toi, parce que Dieu te protège, parce que Dieu te porte dans ses bras, afin que, quel que soit le fléau qui sévit dehors, ne puisse pas t'atteindre. Il n'y a que lui qui t'offre une protection à toute épreuve. Alors, bien-aimé, tourne ton regard vers Dieu. S'il te dit ne promène pas les regards inquiets, alors sois rassuré. Sois rassuré parce que Dieu t'offre une protection solide. Seul lui a la capacité de te cacher dans le creux du rocher afin que ton ennemi ne te trouve pas, afin que le coronavirus ne te trouve pas. Seul lui peut te préserver. Alors, bien-aimé, tourne ton regard vers Dieu. Fais confiance à Dieu parce qu'il te soutient de sa droite triomphante. Bien-aimé, n'est-ce pas merveilleux d'avoir un Dieu aussi bon? N'est-ce pas merveilleux d'avoir un Dieu
qui nous rassure, qui nous apporte la paix dont nous avons besoin, parce que nous savons que la paix que donne Dieu, c'est une paix durable. C'est une paix que rien ne peut ébranler. Alors tourne ton regard vers Dieu, fais confiance à Dieu, parce que c'est lui et lui seul qui peut t'apporter l'assurance dont tu as besoin. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour remercier notre Dieu. Nous allons prier pour, tu vas dire, bien-aimé, merci Seigneur pour l'assurance que tu m'offres au travers de ta parole. Merci parce que tu me demandes de ne pas avoir peur, car tu es avec moi. Merci, tu vas dire merci bien-aimé à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'accorde ce matin encore. Et tu vas lui dire merci de t'avoir donné la force de dévancer l'aurore afin de confier ta journée entre les mains de Dieu. Alors, bien-aimé, élève ta voix et prie. Remercie ce Dieu-là qui t'a gardé. Remercie le Dieu qui t'a préservé. Remercie le Dieu qui a veillé sur toi pendant que tu étais inconscient, pendant que tu dormais. Alors, nous allons prier. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits dans nos vies. Tendre Père, merci de ce que tu me donnes l'assurance ce matin. Tu me dis de ne pas avoir peur. Alors je bénis ta parole. Je bénis ta parole qui est esprit, qui est vérité. Je bénis ta parole qui vient me donner l'assurance dans mon cœur, qui vient me donner cette paix dont j'avais besoin, qui vient m'enlever l'angoisse qui me traînait le cœur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur d'avoir renouvelé ton souffle de vie au-dedans de moi. Seigneur, je suis consciente de ne pas l'avoir mérité. Mais nous sommes conscients que tu nous as fait grâce ce matin. Alors Seigneur, nous te disons merci. Merci, merci, merci pour tout. Que la gloire te revienne. À toi l'honneur, à toi la magnificence, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons demander pardon à notre Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu pour avoir laissé la peur gagner nos cœurs. Nous allons demander pardon à Dieu de nous pardonner pour nos péchés connus, pour nos péchés inconnus, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne parce que nous avons péché depuis la dernière séance que nous avons eue à minuit jusqu'à maintenant. Inclinons-nous devant le Dieu de gloire. Avec une attitude d'humilité, demandons pardon à Dieu afin qu'il nous fasse grâce, afin qu'il nous accorde sa miséricorde, afin qu'il nous accorde le pardon nécessaire afin de nous permettre de passer ce moment dans sa présence. Parce que nous savons, bien aimés, que ce qui met une séparation entre Dieu et nous, ce sont nos péchés. Alors, comme nous ne voulons pas être loin de Dieu, nous voulons passer ce moment dans sa présence, alors nous allons demander pardon. Tu vas élever ta voix, bien aimé. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander à Dieu de te pardonner, de pardonner ton cœur. À un moment, tu as eu un moment de faiblesse, tu as laissé la peur gagner ton cœur. Alors demande pardon, demande que ton Dieu puisse te pardonner ce matin. Oh, tendre Père, nous te demandons pardon. Tendre Père, devant le trône de miséricorde, je viens me prosterner. Je viens m'humilier devant ton trône de grâce pour te dire pardon. Pardon, Seigneur, parce que j'ai eu des moments de faiblesse. Pardon, Seigneur, parce que j'ai laissé la peur gagner mon cœur. Seigneur, nous te demandons pardon. Mes frères et sœurs te demandent pardon d'avoir laissé la peur étreindre leur cœur, d'avoir laissé la peur prendre les devants dans leur cœur, d'avoir laissé la peur diriger leur vie.
Oh Seigneur, ce matin, tu nous donnes l'assurance. Tu nous demandes de ne pas nous inquiéter. Alors nous te demandons pardon d'avoir eu des moments de doute. Nous te demandons pardon d'avoir faibli. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous Seigneur, les péchés que nous avons commis. Ceux dont nous sommes conscients et ceux dont nous ne sommes pas conscients. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous Seigneur. Lave-nous. Purifie-nous afin que nous soyons purs devant toi. Afin que nous soyons dignes de passer ce moment dans ta présence. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous nos fautes. Bien-aimé, tu vas invoquer le sang de l'agneau. Tu vas invoquer le sang de l'agneau. La Bible dit que le sang de l'agneau crie plus fort que celui d'Abel. Que le sang puisse nous purifier. Que le sang de Jésus puisse nous laver. Que le sang de Jésus puisse nous purifier, nous sanctifier. Alors, bien-aimé, invoque le sang de l'agneau. Invoque le sang de l'agneau afin qu'il puisse nous laver de toute souillure. Afin qu'il puisse nous laver de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur en nous. Alors, invoque le sang de l'agneau. Oh, tendre Père, nous invoquons le sang de l'agneau. Nous invoquons le sang de l'agneau. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous donner la vie. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous donner la victoire. Alors, Seigneur, purifie-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Sanctifie-nous par le sang de l'agneau. Oh, lave-nous. Lave-nous, Seigneur. Nous voulons être propres devant toi. Nous voulons être dignes d'être dans ta présence. Nous voulons être dignes de nous présenter devant ton trône de gloire pour te dire les bienfaits que tu fais pour nous, Seigneur. Alors purifie-nous. Le sang de l'agneau, Seigneur. Que le sang de l'agneau puisse nous purifier. Que le sang de l'agneau puisse nous laver. Que le sang de l'agneau puisse nous sanctifier. Seigneur, merci. Merci parce que ton sang nous a lavés. Merci, Seigneur, parce que ton sang nous a purifiés. Merci, Seigneur, parce que ton sang nous a sanctifiés. Merci. Merci, Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame, on acclame, on acclame le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Bien-aimé, nous allons inviter le Saint-Esprit. Nous allons inviter le Saint-Esprit. Tu vas dire, bien-aimé, Saint-Esprit, nous te désirons en ce lieu. Viens remplir nos cœurs afin de chasser la peur. Viens nous éclairer afin que nous ne puissions pas oublier la promesse que tu nous as faite ce matin, celle de garder nos regards tournés vers toi, celle de ne pas promener des regards inquiets, mais de te faire confiance parce que tu nous soutiens de ta droite triomphante. Alors invoque le Saint-Esprit, invite le Saint-Esprit à venir prendre la place, invite le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle de ce moment, invite le Saint-Esprit à venir illuminer les yeux de ton cœur afin que tu aies la révélation de la parole de Dieu, bien-aimé. Invoque le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous remplir. Viens nous illuminer. Viens Seigneur. Viens nous illuminer, Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci de ce que tu nous donnes l'assurance. Merci de ce que tu nous donnes l'assurance. Tu nous demandes de ne pas promener des regards inquiets parce que tu es là, parce que tu prends le contrôle de tout, parce que tu nous diriges, parce que tu nous conduis, parce que tu nous donnes la direction à suivre, Saint-Esprit. Viens nous remplir, viens nous remplir afin que nous soyons mais étirés par toi, aiguillés par toi, conduits par toi, Saint-Esprit. Viens faire taire tout sentiment de peur en nous. Viens nous débarrasser de cette angoisse qui nous remplit le cœur, Saint-Esprit. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce moment. Nous te désirons ce matin, Saint-Esprit. Viens remplir les vases que nous sommes. Viens remplir les vases que nous sommes, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit.
Merci. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Reconnais dans tes acclamations la supériorité de Dieu. Reconnais à travers tes acclamations l'autorité de Dieu. Reconnais à travers tes acclamations la bonté de Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame, acclame, bien-aimé. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci pour ce que tu fais, merci Seigneur d'être là pour nous, merci Seigneur parce que tu es Dieu, merci Seigneur de nous aimer, merci Seigneur de nous donner la force de nous lever pour dévancer l'aurore, merci Seigneur, merci mon Dieu, je te rends gloire, je te loue, je te bénis pour tes bienfaits. Alors bien-aimé, maintenant, tu vas te lever, tu vas prendre autorité. Tu vas prendre autorité et tu vas dire, par le pouvoir que m'a investi le Christ, je déclare que le COVID-19 ne me fera plus perdre mes moyens. Je déclare que la peur quitte mon cœur au nom de Jésus. Je déclare que maintenant, je m'accroche à Dieu qui me soutient de sa droite triomphante. Bien-aimé, lève-toi, prends autorité, parce que Dieu nous a donné autorité. Nous avons autorité. Bien-aimé, si tu sais qui tu es, alors tu sais que tu as l'autorité de parler à cet esprit de COVID-19. Et de lui dire que maintenant tu prends autorité et que quel que soit le fait que le COVID-19 sévit dehors, tu n'auras plus peur. Tu ne laisseras plus la peur te diriger. Tu ne laisseras plus la peur diriger ta vie. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu te soutient. Parce que Dieu est ta sécurité. Alors, prends autorité, lève-toi, bien-aimé, et prends autorité. Dis, terrasse le COVID-19. Oh Seigneur, je prends autorité que Christ m'a donnée et je déclare maintenant que le COVID-19 ne va plus diriger ma vie. Je déclare que la peur qui étreignait mon cœur est abolie ce matin au nom de Jésus. Je déclare que je ne me laisserai plus diriger par la peur. Je déclare que le COVID-19 quitte ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne vais plus avoir des regards inquiets. Je ne vais plus avoir des inquiétudes sur ce qui est fait le lendemain. Parce que le lendemain ne m'appartient pas. Le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain appartient à Dieu. Shalom, maman Isanga. Merci. Bien-aimé, prends autorité. Notre Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Notre Dieu ne nous a pas laissés démunis. Il nous a donné toutes les armes. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les forces du mal. Il nous a donné l'autorité de chasser les démons. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions. Alors, utilise cette autorité que Dieu t'a donnée pour prendre autorité sur ce virus qui sévit dans notre pays, sur ce virus qui sévit et qui nous terrorise. Alors prends autorité ce matin. Seigneur, je prends autorité ce matin. Je prends autorité ce matin et je déclare, Seigneur, que dans ma vie, il n'y a plus de place pour la peur. Au nom de Jésus, je déclare que le COVID-19 ne va plus diriger ma vie, ne va plus venir m'angoisser comme cela était le cas hier. Aujourd'hui, je me lève et je dis que celui qui vit en moi est vivant, que celui qui vit en moi est puissant. Alors la peur n'a pas sa place dans mon cœur. Alors la peur n'a pas la place dans mon cœur. Alors bien-aimé, ne manque pas des mots. Dis, demande à ton Dieu, prends autorité. Exerce l'autorité que t'a donné Christ. Exerce l'autorité que t'a donné Christ. N'aie pas peur, bien-aimé. Lève-toi. Lève-toi. Si tu sais que celui qui vit en toi est puissant, alors tu vas te lever. Tu vas te lever, bien-aimé. Et tu vas prendre autorité. Lève-toi. Lève-toi et prends autorité.
Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu m'as investi d'une autorité, Seigneur. Et par le pouvoir que tu m'as donné, Seigneur, je prends, Seigneur, possession de ce pouvoir et je déclare que le COVID-19 n'a pas sa place dans ma vie, que la peur n'a pas sa place dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, mon Dieu, merci. Bien-aimé, tu vas encore dire, toi, esprit du coronavirus, qui sévit dans nos villes, qui sévit dans nos pays, qui sévit dans le monde entier, tu es détruit et anéanti par le feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, envoie le feu du Saint-Esprit afin que le feu puisse détruire la source du coronavirus. Afin que le feu puisse stopper la propagation du coronavirus, bien-aimé. Lève-toi, envoie le feu, lève-toi, envoie le feu du Saint-Esprit, afin que le feu puisse détruire tous les foyers où naissent le virus, où le virus sévit, bien-aimé. Brisons les autels mis en place par les forces obscures. Lève-toi et dis, bien-aimé, lève-toi, lève-toi. Toi, esprit du coronavirus, je t'anéantis en cet instant. Je t'anéantis et j'envoie le feu. Envoie le feu, bien-aimé, envoie le feu. Toi, esprit du coronavirus, tu es brûlé, calciné au nom de Jésus. Toi, esprit du coronavirus, tu es anéanti. Tu es anéanti par le feu du Saint-Esprit. Tu es anéanti par le feu du Saint-Esprit. Alors sois détruit, sois détruit, sois détruit. Je te détruis maintenant au nom de Jésus. Je te détruis maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Oh bien-aimé, élève la voix. Bien-aimé, élève la voix. Détruis, détruis cet esprit afin qu'il ne puisse plus se propager, afin d'arrêter la propagation de ce virus, afin d'arrêter ce virus qui marche partout, qui rentre dans les maisons, qui sévit. Seigneur, il n'y a qu'à aller à l'hôpital, tu vas voir combien les gens sont atteints. Mais ce matin, Dieu nous a donné la force de nous lever. Dieu nous a donné la force de dévancer l'aurore avant même que le soleil ne se lève. Bien-aimé, arrête, détruis les foyers de ce virus afin qu'il n'ait pas la force de se propager, afin qu'il n'ait pas la force d'aller infecter encore d'autres personnes. Alors arrête et lève-toi et détruis ce virus par le feu du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous t'implorons en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te supplions, Papa, viens Seigneur détruire le coronavirus par ton feu. J'envoie le feu du Saint-Esprit afin qu'il puisse consumer, afin qu'il puisse détruire, afin qu'il puisse calciner ce virus dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci Seigneur. Bien-aimé, maintenant tu vas faire une prière de foi. Bien-aimé, tu vas dire, alors que le soleil ne s'est pas encore levé, j'injecte dans mon corps le vaccin du sang de Jésus afin de détruire toute cellule attaquée par le coronavirus au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu a dit de croire avant d'avoir même vu. Crois seulement et tu verras sa gloire. Alors, bien-aimé, crois dans ton cœur que maintenant que tu parles, tu es en train d'injecter dans ton corps le vaccin du sang de Jésus. Et ce vaccin va assainir ton système circulatoire, va assainir tes poumons, va laver ton corps de toute souillure, va laver ton corps de toute infection, va laver ton corps de toute infection respiratoire, va purifier ton corps, va déloger. Si jamais le coronavirus s'était logé quelque part dans ton corps, le vaccin que tu viens de mettre à l'instant va déloger le coronavirus de ton corps dans le nom puissant de Jésus. Crois-le bien-aimé et prie,
prie, demande à Dieu, fais une prière de foi. Fais une prière de foi, bien-aimé. Lève-toi, fais une prière de foi. Oh, tendre Père. Tendre Père, maintenant que le soleil ne s'est pas encore levé, maintenant que tu m'as donné la force de me lever afin de dévancer l'aurore, Seigneur, je viens injecter dans mon corps le vaccin du sang de Jésus, le vaccin du sang de Jésus qui va purifier mon système, qui va purifier mon corps tout entier, qui va purifier mes vaisseaux sanguins, qui va purifier mes globules rouges, mes globules blancs, Seigneur, qui va me purifier de tout symptôme du coronavirus, qui va tuer, Seigneur, le coronavirus en moi. Je viens m'injecter le vaccin du sang de Jésus. Oh, proclame le vaccin du sang de Jésus, bien-aimé. Proclame le vaccin du sang de Jésus dans ton corps, afin qu'il puisse assainir ton corps, afin qu'il puisse purifier ton corps, afin qu'il puisse développer dans ton corps des anticorps qui vont rejeter, qui vont repousser, qui vont... mais calciner le coronavirus. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le vaccin du sang de Jésus, bien-aimé. Le vaccin du sang de Jésus. Nous avons ce privilège. Nous avons ce privilège d'invoquer le vaccin du sang de Jésus qui puisse nous purifier, puisse nous laver, puisse nous guérir de toute souillure, de toute maladie. Alors, bien-aimé, mets le parfum du sang de Jésus. Fais une prière de foi, bien-aimé. Crois dans ton cœur que cela se fait à l'instant même, à l'instant, bien-aimé. Alors, prie, prie et injecte-toi le vaccin du sang de Jésus. Oh, Seigneur, merci. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Oh, que ton nom soit glorifié. Oh, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Oh, merci, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier, bien-aimés. Alors, nous allons prier pour le corps médical. Nous allons prier pour les soignants. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, étends ta main. Étends ta main sur les soignants. Et que tu vas demander au Seigneur de faire descendre son parfum de guérison sur leur vie. Parce que, bien-aimé, nous savons qu'ils sont au front. Ils sont en train de combattre quelque chose qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Ils sont démunis parce qu'ils ne disposent même pas de traitement pour éradiquer cela. Mais ils combattent au péril de leur vie. Alors, prions pour les soignants. Prions que Dieu puisse les protéger par son manteau de feu, afin que ces soignants ne soient pas atteints, afin qu'ils puissent prendre en charge les malades. Parce que n'oublions pas, ces soignants, c'est les pères de famille, c'est des mères de famille. Pendant qu'ils sont au front, ils ont laissé leurs enfants à la maison. Pendant qu'ils sont au front, ils ont laissé leur famille. Alors, levons-nous, prions pour les soignants. Prions pour les soignants afin que Dieu puisse leur épargner, que Dieu puisse épargner leur vie. Oh, bien-aimés. Prions, prions parce que ces gens combattent au péril de leur vie. Alors, soumettons leur vie entre les mains de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut les protéger. Il n'y a que Dieu qui peut les garder. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour eux. Alors, élève ta voix, bien-aimée. Élève ta voix et confie les soignants entre les mains de Dieu. Oh, tendre Père, nous te confions, Seigneur, l'équipe soignante. Nous te confions, Seigneur, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, Seigneur. Toutes les personnes qui, de loin ou de près, Seigneur, militent pour soigner les malades, pour être auprès des malades, pour être auprès de ceux qui sont en détresse respiratoire, pour prendre en charge toutes les personnes qui leur sont amenées dans les hôpitaux. Seigneur, veille sur leur vie. Seigneur, veille sur leur vie. Seigneur, garde-les, Seigneur, parce qu'ils sont là au péril de leur vie. Ils s'exposent contre quelque chose qu'ils ne savent même pas, Seigneur. Mais aide-les, Seigneur, que les mesures barrières qui ont été mises en place puissent les protéger. Que ton manteau de feu, Seigneur, puisse protéger leur vie, Seigneur. Et Seigneur, fasse également que entre les soignants, ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent venir
à toi. Que à travers cette épreuve du coronavirus, qu'ils puissent voir ta grandeur, Seigneur. Oh, nous te le confions, Seigneur. Étends ta main qui est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Oh Seigneur, fais pleuvoir ta pluie de guérison. Fais pleuvoir ta pluie de guérison. Oh Seigneur, dans la vie de ces soignants, fais pleuvoir ta pluie de guérison, Seigneur, sur la vie de ces soignants. Seigneur, mets une barrière également entre ces soignants et leurs enfants. C'est-à-dire que quand ils rentrent à la maison, qu'ils ne transmettent pas s'ils sont porteurs du virus à ceux qui sont restés à la maison. Seigneur, je t'en supplie. Ils sont là-bas pour, dans le cadre de leur travail. Ils sont là pour leur prochain. Alors Seigneur, veille sur eux, garde-les, protège-les et protège aussi leur famille dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci, alléluia, alléluia, merci, merci. Bien-aimés, nous allons faire une prière de consécration. Tu vas dire, Père, je m'abandonne à toi. Père, j'abandonne ma maison entre tes mains. J'abandonne mes enfants entre tes mains. Seigneur, porte-nous dans tes bras, afin que nos pieds ne heurtent pas contre une pierre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, abandonne-toi aux mains du Créateur. Abandonne-toi auprès de celui-là qui t'assure la sécurité à toute épreuve. Abandonne-toi. Alors, bien-aimé, nous allons nous abandonner entre les mains de Dieu. Nous allons nous abandonner entre les mains de Dieu afin qu'il puisse veiller sur nous, afin qu'il puisse nous garder, afin qui puisse nous préserver du mal. Alors abandonne-toi dans les mains de ton Créateur. Oh, tendre Père, je m'abandonne à toi. Tendre Père, entre tes mains, j'abandonne mes enfants. Entre tes mains, j'abandonne ma famille. Entre tes mains, j'abandonne la famille TPS. Entre tes mains, j'abandonne maman prophétesse et papa pasteur. Entre tes mains, Seigneur, veille sur notre vie. Seigneur, veille sur nous. Préserve-nous afin que le malin ne puisse pas avoir d'emprise sur nous. Préserve-nous afin que notre pied ne heurte pas contre une pierre. Oh, préserve-nous, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, tendre Père. Garde-nous dans le creux du rocher. Garde-nous dans le creux du rocher. Garde-nous, Seigneur, afin que la flèche qui vole de jour ne puisse pas nous atteindre. Afin que la contagion qui marche dans les ténèbres ne puisse pas nous atteindre. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, parce que tu es Dieu et parce que tu nous soutiens de ta droite triomphante dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Bien-aimés, nous allons confier notre journée entre les mains de Dieu. Nous allons remercier Dieu déjà de nous avoir donné la force de nous lever, de confier notre journée avant même que le jour ne se lève. Alors nous allons confier notre journée entre les mains de Dieu. Nous allons demander à Dieu de purifier l'air que nous allons respirer. Nous allons demander à Dieu d'assainir l'eau que nous allons boire. Nous allons demander à Dieu de purifier la nourriture que nous allons manger. Nous allons demander à Dieu de veiller sur nous si jamais nous sortons hors de chez nous, qu'il soit notre compagnon de route, qu'il garde notre départ et qu'il garde notre arrivée. Alors, remettons entre les mains de Dieu notre journée. Oh, tendre Père, entre tes mains, nous venons soumettre notre journée. Seigneur, sois l'alpha et l'oméga de notre journée. Tendre Père, purifie l'air que nous respirons, Seigneur. Purifie l'air que nous allons respirer tout au long de la journée. Seigneur, assainis l'eau que nous allons boire. Purifie-la de toute impureté, Seigneur. Purifie cette eau que nous allons boire. Purifie la nourriture que nous allons manger, Seigneur. Purifie tout ce que nous allons
mettre dans notre corps, tout ce que nous allons avaler, soit purifié par toi, soit lavé par toi, soit assaini par toi, Seigneur. Que avant toute chose, nous puissions te soumettre cela. Avant de manger quoi que ce soit, nous puissions te soumettre cela, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, purifie-nous, purifie notre maison, purifie nos enfants, purifie l'air que nos enfants vont respirer, purifie la nourriture que nos enfants vont manger, purifie, Seigneur, l'eau que nous allons utilisé pour nous laver, que ce soit le sang de l'agneau. De façon physique, c'est de l'eau que nous utilisons, mais spirituellement, nous nous lavons avec le sang de l'agneau. Oh bien-aimé, confie ta journée à Dieu. Confie ta journée à Dieu, afin que rien de mal ne puisse t'arriver, afin que Dieu prenne le contrôle de ta journée, afin qu'il puisse prendre le contrôle de ta journée, afin qu'il puisse t'épargner du danger. Afin que toi, tu puisses dire avec assurance que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu t'accompagne. Parce que Dieu te veille sur toi. Parce qu'il te sécurise. Parce que autour de toi, il aura mis une barrière de feu. Afin que l'ennemi ne puisse pas t'atteindre au nom de Jésus. Bien-aimé. Alors acclame le Seigneur, acclame bien-aimé, acclame. Nous arrivons à la fin de notre moment de prière. Donc nous allons remettre entre les mains de Dieu le culte de tout à l'heure, 14h. N'oublions pas, hein, nous avons culte aujourd'hui, 14h comme d'habitude, en ligne. Alors, nous allons soumettre le culte entre les mains de Dieu, afin que, dans un premier temps, Dieu puisse donner la force à maman Frida, à la prophétesse, vraiment qu'il puisse vraiment lui injecter encore la force, le courage, mais lui donner la force du buffle, afin qu'elle puisse nous nourrir, afin qu'elle puisse nous emmener dans la louange comme jamais, afin qu'elle puisse nous emmener dans l'adoration comme jamais, et afin qu'elle puisse nous nourrir comme jamais, comme elle sait si bien le faire. Remettant maman entre les mains de Dieu, afin qu'il lui donne toute la force nécessaire pour le faire. Et nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce culte, afin que tout se déroule dans sa volonté. Afin que nous, qui suivons, nous puissions recevoir les bénédictions de Dieu. Alors remettons le culte entre les mains de Dieu. Oh tendre Père, nous voulons remettre notre moment de culte de 14h aujourd'hui entre tes mains. Seigneur, sois aux commandes de tout. Dans un premier temps, Seigneur, nous voulons te soumettre notre maman prophétesse, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, tu as vu la vivacité avec laquelle elle nous mène. Tu as vu, Seigneur, la force dont elle fait preuve. Seigneur, si c'était d'elle-même, elle n'aurait pas pu. Mais Seigneur, c'est parce que tu la boostes. C'est parce que, Seigneur, tu l'investis de cette force de buffle. Voilà pourquoi elle nous dirige comme elle le fait. Elle nous mène comme elle le fait. Seigneur, je bénis sa vie. Donne-lui encore la force et la force. Viens injecter dans son corps les vitamines du Saint-Esprit afin qu'elle soit revigorée, afin qu'elle soit vivifiée, afin qu'elle puisse diriger ce culte comme il se doit. Seigneur, prends le contrôle du culte. Prends le contrôle du culte afin que nous puissions passer mais un moment glorieux dans ta présence, afin que nous puissions passer un moment extraordinaire, Seigneur, dans ta présence. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Oh Seigneur, au nom de Jésus, nous disons trois fois Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, famille TPS. Pour celles qui sont arrivées après, je suis la sœur Rebecca de la tour de prière Semeur. Et je remercie la vie de maman prophétesse Frida. Je remercie maman prophétesse de m'avoir permis de diriger, d'évancer l'aurore. Vraiment, je bénis sa vie.
Je bénis sa vie, je bénis sa vie pour tout ce qu'elle fait. Parce que, bien-aimée, je ne sais pas pour vous, mais moi, elle me booste. Elle me donne le courage de me lever le matin et de préparer mes exhortations. Parce que à chaque fois, quand je suis fatiguée, parfois je dis je reste dormir, j'entends sa voix me dire l'exhortation du matin, l'exhortation du matin. Alors, je bénis sa vie et je bénis vraiment Maman Frida de m'avoir permis de mener, d'évancer l'aurore. Alors, soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, famille TPS. Je vous aime de l'amour du Seigneur. C'était la sœur Rebecca. Voilà. Merci à vous. Je vous dis au revoir à 14h pour le culte de célébration. Sois bénie, sœur Chloé. Sois bénie, sœur Estelle. Sois bénie, sœur Ama Godjo. Sois bénie, sœur Emmanuel Georges. Je t'ai vu. Sois bénie, brava villoise de Bakongo. Merci, maman. Merci, maman. Merci, maman. Alors, merci à vous. Merci vraiment de vous être réveillés parce que c'est pas facile avec le changement d'horaire. Mais merci. Merci, sœur Morénique. Sois bénie, sois bénie. Sois béni. Frère Anissé, sois béni, frère Anissé. Sois béni, sœur Nelly. Sois béni, sœur Angèle. En tout cas, je vous aime, je vous aime, je vous aime de l'amour du Seigneur. Merci beaucoup. Maman Isanga, bon dimanche à toi. Merci. Et je nous dis à bientôt à 14h. Merci.